Monsieur Hébert, donc vous êtes directeur général pour Liber Grues Mobiles pour la France. Pouvez-vous nous parler de votre activité ? L'activité Grues Mobiles, elle est relativement stable depuis 2 ans. Depuis 2 ans en France, elle est un peu en retrait par rapport aux années 2007-2008, qui étaient des années exceptionnelles. Mais on va dire que l'activité reprend tout doucement, elle s'assainit tout doucement. Aujourd'hui, les ventes sont relativement faibles par rapport à ces années-là. On est à peu près à 50% de part de marché dans les grilles automotrices rapides en France. Le total de machines vendues pour un marché global de 95 machines l'année dernière se situe aux alentours de 45 machines pour ce qui nous concerne pour l'année 2010. Vous présentez sur les JDL un nouveau concept de grue. Pouvez-vous nous décrire ce produit ? Alors, bon, on a présenté 3 machines. La première, c'est la LTC 1045. C'est une machine qui a été présentée à la Bauma l'année dernière. C'est 45 tonnes sur 3 essieux. Une machine qui a été faite pour la manutention en particulier. Elle offre 36 mètres de flèche télescopique. C'est une machine qui a été conçue pour faire de la manutention, donc comme je le disais. Et elle est prévue également pour faire aussi des activités de levage en général pour multiples activités, traitement public, manutention, etc. Une particularité, c'est sa cabine à priori sur télescope. Alors oui, c'est un nouveau concept d'une machine que l'on avait déjà dans la gamme, qui était la LTC 1055. Mais qui a été améliorée dans sa manutention, dans sa mise en œuvre. C'est une machine qui a une seule cabine. C'est une machine dont la cabine se positionne sur l'avant du véhicule quand elle se déplace sur la route. Donc on gomme en fin de compte les aléas de la visibilité sur le côté droit lorsque on roule sur la route en relevant la flèche télescopique sur l'avant, sur un piédestal. Et puis on a la particularité de démonter l'avant du véhicule pour la rendre plus compacte et plus maniable sur un chantier.